الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله نكونسينا بالاسبيكاسيون فتن اكسبري Du livre SHARH-US-SUNNAH de Imaam Al Barbahaaari, chapitre Concernant Jihaad, numéro 30, d'après le monde, classement, pas participe dans la guerre qui est là entre les musulmans. Imaam Al Barbahaaari nous dit وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية وكل ما كان من قتال وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ديام سينا فتنة reste à l'intérieur de la cage sauver les pieds alentour des fitnah faire attention contre les fanatismes toute la guerre qui est là entre les musulmans pour gagner du lien c'est fitna alors gagne ta quoi Allah pour Allah uniquement celui qui n'est pas dans aucun associé pas sorti là-dedans mais pas sorti devant la guerre fitna et par combattre là-dedans. Donc ça, c'est quand même une explication importante, surtout dans l'époque, quand on entend beaucoup djihad. Et djihad, il y a des qui font partie de l'enseignement de l'islam, pareil comment salat, djihad, et l'ibadat, il y a l'enseignement de dire Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a sur une condition, il y en a sur un règlement. Un dimon, il n'est pas capable de venir dans la masjid sans wudu, les dévots de faire salat, et il dit qu'il peut faire salat. Ça salat va pour compter. Il fait, il va faire respecter une condition. Il va faire respecter une condition. Salat, c'est un ibadat. Il y a une condition bien respectée. Et là, l'ibadat, on a valé au prix d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, un djimoun n'est pas capable de faire salat comme à l'oulé. Il commence par salat, il termine par takbir. Il y a un règlement, il y a un principe. Alors, djihad aussi, il y a une condition, il y a un règlement. Il y a une condition, il y a un règlement. Celui qui il peut crier, il veut dire, nous veut djihad, nous veut djihad, puis ça veut djihad. Mais il n'est pas payé. Satisfaire à une condition, il n'est pas satisfait à une condition qui vise à l'ibédia djihad. Même comme il criait, il peut crier, on peut faire la marque, on peut faire salat, on peut faire salat sans wudu, pas compter. Comme ça même, djihad, sans condition, il n'est pas djihad. Et si pas respecter le règlement, il n'est pas djihad. Et ce qui est important pour comprendre, si un djihad par exemple, il ne va pas faire wudu, il veut faire salat, il veut crier, il veut faire salat. Il veut crier dans le vide, mais personne ne se dit sans papé versé inutilement, peine à désordre la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais djihad, si nous disons djihad, et ce n'est pas un djihad d'après la loi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui va arriver, il y en a 10 ans qui vont verser. Il y en a 10 ans qui vont verser. Et ça, c'est une petite chose qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les panvines pour ça, et il n'a pas oublié qui se digne gagne sa qualité de titre là auprès de bah, nos musulmans. Quoi, ça dit là, ça l'a dit là dans Al-Buda, ils ont sorti ça, ça semaine là, ça mois là. Quand on a fini devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, permission pour tuer Xana. Pour tuer un munafiq, pour tuer un munafiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas un dia qui n'a se disant haram. Munafiq, là, se disant halal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a non, attention, djimoun pour causer. Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tout, il sauve un compagnon. Et là, quand causé là pour sortir depuis Madina, pour aller se battre dans la Chine, pour aller dans l'Inde, pour aller de l'autre côté, Djimoun qui vous tendez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tout, il ben, Djimoun qui est ensemble avec lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tout, il Djimoun.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas oublié ça quelque chose là, qui se dit les gars sa qualité titre là, ben qui vise 10 ans. Malheureusement, il y a beaucoup mal dit mon azo disou. Ouais, quand Gedzut causé, quand Gedzut, je veux dire, de façon causée, parce qu'il y a plus que je causais, je vais en parler maintenant. Quand Gedzut causé, moi je veux dire, je assoif 10 ans. Je assoif 10 ans, je coulé 10 ans VSC formé par les musulmans. Je coulé dans des zones, je coulé dans la guerre, je coulé dans l'instabilité. Puis dans le qui c'est mon djimoun qui. Je suis responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'instabilité qui j'ai amenée dans un pays. Comment je renverse un pays comme un 10 ans VSC, pénalité qui se prend tôt. Donc, djihad, mais la personne qui voulait dire djihad, peine à se place dans l'islam. Comment nous allons dire ça? Le Coran rempli avec la loi concernant djihad, un événement concernant djihad. L'ami Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est rempli avec djihad. Ce n'est qu'à dire djihad qui est sur place dans l'islam. Ce n'est qu'à dire djihad qui est sur place dans l'islam. Djihad, il y a une grande place dans l'islam. Djihad, il y a une grande place dans l'islam, mais il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de condition. Et pour une petite chose qui est importante concernant djihad, une condition, c'est respecter ce lire, vous voulez arriver, lire, là qui nous vient djihad, quand on arrive, lire, pas qu'il y a fait djihad. Par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans Makkah, combien de djihad il fait pendant 13 ans qu'il est dans Makkah, combien de djihad il fait? Zéro, il n'a fait aucun djihad. Si nos situations qui nous vivent actuellement là, dans l'île Maurice, l'hiver ressembler situation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait vivre dans Makkah. Si nous déclenchons djihad là dans le Maurice par exemple, et que nos conditions peuvent ressembler à condition Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Makkah, après ça nous peut déclencher djihad avant cela. Est-ce qu'il y a un djihad islamique ou bien il y a la guerre fitna? La guerre fitna. La guerre fitna qui 10 ans pour verser inutilement. 10 ans pour verser inutilement. Et quand nous avons une quantité de 10 ans qui nous verser depuis, c'est là que ça nous en prête en arabe, 2011, 2012, 2013, 2014, quantité de 10 ans qui nous verser, si nous posons la question, ok, disons 10 ans qui nous verser, mais nous avons le fruit de ça, 10 ans qui nous verser, qui se trouve? C'est bon. Zéro. Au contraire, les gens qui sont là, les bien empirés, les bien les mêmes. Et quand il y a une condition, djihad encore, c'est. Quand il y a un règlement de djihad, djihad c'est noël pour gagner, djihad c'est nous pas pour perdre. Djihad c'est noël pour gagner, nous n'avons pas pour perdre. Parce qu'il y a, parce qu'il y a pour perdre, c'est le père, c'est nous. Il y a c'est nous, pas travail, c'est nous. Et surtout, par exemple, nous dans l'île Maurice. Mais il n'y a pas une personne qui empêche nous de faire da'a pour pratiquer nos dînes. Mais il n'y a personne qui empêche nous pour propager nos dînes. Nous avons le droit de vous, par exemple, dans la gare pour lui, de continuité, nous portons en plein à dosis Allah tout seul, suivre l'islam, les religions du Créateur, un bon message qui est clair. Puis la personne qui m'empêche nous. Alhamdulillah, c'est mal. Facilité d'en dire Allah subhanahu wa ta'ala. Qui va nous faciliter, qui nous peut gagner dans le pays, qui alhamdulillah, il va nous sauver, qui nous a quand même sauvé. Et il y a des autres facilités qui nous ont fait dans plusieurs pays, par exemple, si 10h du matin, ou madame est malade dans la case, ou même si elle prend pour l'hôpital, dans l'auto, ou quand on peut aller, pas dire qu'il paye un mauvais djimoun dans le pays, pas dire qu'il paye un mal. Pas n'importe, mais seulement, en général, des heures du matin, on est là pour qu'on le dos pour qu'on va à l'hôpital. Est-ce que vous sentez qu'il t'a frayé? Non, si vous sortez des heures du matin, là, pour perdre la vie? Non, c'est-à-dire, on peut vivre dans un pays qui est en sécurité. Donc, tout cela, c'est quelque chose qu'ils aiment prendre compte. Il y a beaucoup de monde, une criée djihad. Et soi-disant djihad pour établir la loi Allah, pour établir le système khilafa. Ensuite, tu sais, il y a un côté de crier. Vous savez, les contre si pas Hosni Moubarak, vous avez fait djihad contre Hosni Moubarak, vous savez, établir l'État islamique, un côté pas ici.
Because l'orgas jihad, le côté vers l'Amérique, tu disais avec nous. Le côté vers la France, venez avec nous. Nous dans une situation difficile, pas capable. Mais qui jihad? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala se dit, c'est un dîme qui, pas une dîme comme dire l'objectif VS 10 ans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si vous m'avez mal compté, combien de gens vont me faire un pays de la vie dans Badr, dans Uhud, dans Hazab, dans la guerre Hunayn, si vous m'avez compté, mais bien chigit, un pays de la vie. Mais dire jihad, c'est pas mal tout une nous. Jihad, c'est pas mal, mal tout une nous. Tandis que quand nous dites la guerre Fitnah, 10 ans SBSC à lui-même, 10 ans SBSC à lui-même, c'est-à-dire sans comment dire, une fin, ça ne l'a pour une bombe, attentat, l'autre là pour répliquer, ça ne l'a pour aller, les mêmes comme ça, comment dire, peine à personne qui, mais dire, mais ok, les mois rétés que ça a fait VS, VS 10 ans inutilement, l'islam pas dans 5 ou VS 10 ans. Jihad, il a sa place dans l'islam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour faire da'wa, il vient comme un enseignant, il vient pour sauver les kafirs, il veut dire nous, quand nous sommes nos musulmans, nous sommes comme un qui est dans l'ordre, comme un qui est dans l'obscurité, dans l'oise, le pied du ciment, on y a dit les créateurs, un être en zézi, il peut adorer, un être en boudros, il peut adorer, un être en boudjipoua, il peut adorer. Donc, nos musulmans, nous sommes. Il y a un non-musulman avec sa rigole, avec sa rigole, qui doit dire nous avons fait des efforts pour sauver, tirer ceux depuis sa rigole, retirer ceux depuis sa obscurité, venir vers l'adoration du Créateur unique, venir vers la religion qui est le Créateur, venir préparer. Mais comme vous dites, beaucoup de gens se posent en terme, ils ont tué, ils ont tué, ils ont tué. Alors ça n'est pas beau, du bien. Pour les musulmans, il n'a pas pour dire bien les musulmans. Et ça, quand nous veut dire pas pour dire bien, il n'y a pas quelque chose qui ne peut se dire comme ça. Mais tout un événement qui va les musulmans vivre, il nous traverse pour ça. Tout cela fait déjà témoigner ça, quelque chose là, qui tout ce qui nous veut pas pour dire bien. Donc, Al-Barbahaaari veut dire. Fais attention à la guerre. Mais je connais des gens qui proposent djihad. En réalité, ce n'est pas djihad, c'est PBS 10 ans aux frères musulmans. PBS 10 ans aux frères musulmans. Et ce qui est comique, quand nous sommes dans l'État islamique qui finit là, l'État islamique, d'un point de vue musulman, il dit mais qui veut un pays comme le Qatar, l'Arabie, qui veut, je ne sais pas, attaque Israël. Qui veut, je ne viens attaquer moi. Qui veut Al-Qatar, l'Arabie, tout ça même qui peut coopérer pour attaquer l'État islamique, l'État de Khawarij. Je ne dis pas, je ne dis pas, qui fait sa coalition-là, pas finir dans sa coalition-là, pas la guerre contre Israël, finir dans sa coalition pour la guerre contre moi. C'est un point faux, pas un point faux. Il paraît que c'est un point faux. Mais c'est pas quand nous avons dit, mais comique, mais quand toi, tu viens prendre l'existence, tu n'as l'attaque qui s'en là, tu n'as l'attaque Israël, mais tu n'as l'attaque l'Arabie, tu n'as l'attaque de côté. Qui s'en est l'attaque? Tu n'as l'attaque l'Arabie. Quand l'État islamique, une Djibouti, tu n'as l'attaque l'Arabie. Lui représente un danger pour ici, pour l'autre côté. Mais définitivement, l'Arabie, quand on sent menacée pour Ban Khawari, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à Ban Khawari, tu y es, moi, tu y es. Tu y es. Comment il prend l'essence? Il n'y a pas d'attaque l'Arabie, il n'y a pas d'attaque l'Israël, il n'y a pas d'attaque l'Iran, il n'y a pas d'attaque l'Arabie Saoudite. Dans le Ramadan, il n'y a pas d'attaque pour attaquer l'Arabie Saoudite. Donc, il y a Israël, donc il y a l'Iran. Pour une attaque l'Arabie Saoudite, quand l'Arabie vient attaquer toi, c'est de dire, ouais, qui veut tout mal à l'attaque d'Israël. Mais il n'y a pas de une attaque mauvaise. Vous avez pas de l'Iran, il y a assez logique. Et d'ailleurs, l'Iconie, n'importe qui s'en a connu, l'État islamique, l'objectif, c'est que je l'ai soifé, c'est renverser l'État saoudien, l'État qui, par permission Allah, subhanahu wa ta'ala, garantit le monde en entier, par permission Allah, pour faire Hajj, pour faire Umrah, avec toute tranquillité, la paix et sécurité, je n'ai pas été capable de faire ça. Donc, faire attention, surtout un jeune, djihad, 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 et là, beaucoup de gens dans cette chose-là.
il y a un seul règlement, il y a un seul principe, et c'est une petite chose qui les conseille à un savant, les conseille à un qui a l'autorité. Jihad, ce n'est pas un qui monte au mimbar qui fait jihad, un qui monte au mimbar à l'enseigne Tohara. À l'enseigne du monde, quand ils avaient Roussel, comment faire Roussel, à l'enseigne du monde, comment faire Namas, comment pas faire Namas, ça, elle va se voir, ça nous roule, ça va qui monte au mimbar. Au même cause, l'Amérique, tu vises attaquer, pas tu vises attaquer, Israël, ou bien le. Pas concerne-toi, ça, ils vont se parler, pas ton rôle là. En tant qu'imam, enseigne du monde Tawhid, enseigne du monde Ibadat Allah, enseigne du monde bon manier, enseigne du monde quoi pour vivre l'islam. Quand tu as jihad, les conseils sont savants, les conseils sont l'autorité. Jihad, pas fait. Un des monde, nous décidons de faire jihad. Non, jihad, il faut l'autorité. Faudrait, vous voyez quoi dire, un l'homme, il y a ça, et une planification, pas n'importe qui s'en a, la Syrie, il y a un couvert jihad, il n'y a pas qu'on est contre qui s'arrive à la guerre, il y a un couvert jihad, il n'y a pas même qu'on est contre qui s'en a, il est bon, il est pour la guerre, il y en a deux, qui ça c'est pas quelque chose qui, l'islam pas n'enseigne ça définitivement. Alors Imaam Al Barbahaari dit, comment une fitna reste dans toute la case? Pas de gros, musulmans, mais la guerre reste dans toute la case. Et quand nous avons ce problème qui finit là, qui renversement des Kadhafi, l'autre, ça avance à rien dire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Musulmans pour la guerre reste dans toute la case. Les vrais qui vont dire, jamais ils vont savoir pour Kadhafi ou Bachar al-Assad, tout le temps on compte ça va dire là, mais c'est pas. Je ne vous donne qui, à l'époque des fitnas, reste dans la case, ça c'est conseil, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, reste dans la case. Il n'y a pas costé avec fitna, pas vite un fanatique, ça c'est une maladie qui beaucoup de monde est là, mais dire je pratique l'islam avec un certain fanatisme. Et comment énorme le fanatisme, mais dis-moi arrêtez ces vies d'intelligence, dis-moi arrêtez ces vies de. Raisonnement à l'autre côté d'un fanatisme, il y a la même qui, et il y a finalement c'est fitna, le fitna, elle dit tout ça va de la guerre, qu'il y a un musulman qui fait finir la guerre pour établir la loi là où il y a pour le pouvoir. Hein? Allez, nous commençons par Tunisie. Finir la guerre, renversement de la Tunisie pour établir la loi là où il y a pour gagner le pouvoir. La loi Allah vient venir? Non. Et comment on a pu dire? Un bouffon Hizbou Tahrir, quand on a commencé à soulever dans Tunisie, les autres sites qui se mettaient, le retour du Khilafa. Khilafa peut retourner. On a des affaires pour rendre le djihad même, je fais un programme d'avancée, ça, c'est la même chose, vous pouvez une réplique, tu peux faire Khawarij. Quand on a les menaces de démanger, vous posez non, je ne vais pas me causer de démanger, je ne vais pas me fatiguer moi pour assister depuis le Maghreb jusqu'à Isha, pour que je ne vais pas causer non. Alors, dans ce programme-là, il est expliqué que dans Tunisie, après renversement Ben Ali, après le financement de Ben Madame, quand tu fais une espèce de manifestation, comment ? Cinq nuits, mais j'appelle à l'instant là-haut, depuis la manifestation dans Tunisie. Ça a prédé après renversement. C'est un état islamique, ça. Hizbou Tahrir, c'est l'état islamique. Les retours du Khilafa, pour qu'il va madame Marcel Olari, c'est un nu. Quand nous guettons l'Égypte, il y a la loi Allah. Quand nous guettons Libye, il y a la loi Allah. Quand nous guettons Yémen, ben Chia, Plaka, Papa, la loi Allah. Mais qui nous fait finalement? Est-ce que nous la guerre pour la loi Allah? Nous la guerre pour nos pouvoirs? Et la guerre pour venir au pouvoir, et finalement, pas. Mais j'ai pas fini là, tu viens là-dedans. Tu crois dans le musulmans, tu viens au pouvoir dans l'Égypte. Et bien là, le problème, c'est ça, mais tu la loi Allah, et ça, dans l'imam, on va dire, si là, pour faire un exposé, ces histoires-là, et là, beaucoup de choses à dire quand tu crois venir au pouvoir dans l'Égypte. Mais pas finalement, il n'y a rien de rapprochement avec l'islam, au contraire, il y a quelque chose de sensé qui, dans l'époque post-néo-barak, tu m'aies.
en termes d'islam, est une meilleure que dans l'époque des Ali Khouan, des Moussis, et même la meilleure que dans une critique l'Égypte, avec soi-disant son relation avec Israël, sur un contrat, sur un engagement. Mais quand toi tu as mis le pouvoir pendant un an, qui l'a fait avec Israël? Première affaire, qu'est-ce qu'il a fait? Annule tout ça là, comment il a annulé? Donc, il est important, on va dire, musulman, servir l'intelligence, parce que ce qui est arrivé, pas drôle. Un petit esprit, je te coulais, une petite chose. Pareil, ou bien un petit peu semblable à ça. Que, par exemple, là, le Maurice, le mec a fait un 5 ans là-bas. Fais comment dire, parce que la loi arrêtée avec Adam. Parce que la loi de Maurice arrêtée par les droits de Adam, le micro. Ok. Et le, il n'est pas drôle pour la main du monde, pour dire, mais nous visons manifester, nous visons nos droits, nous visons le. Si nous avons une simple intelligence, quand elle, la loi est passée, quand tu dis, quand il n'y a pas tous nous, pas tous nous ça, quand la loi n'y a pas à aller, qui pouvait crier, toi, les gars, ils ne finissent pas sans la loi. C'est une petite chose qui est difficile. Et l'autre petite chose, il n'empêche pas de faire ça. Il n'empêche pas de faire ça. Ça veut dire parler de micro. Il n'empêche pas de faire la masse, non. Il n'empêche pas de faire Fajar, non. Il n'empêche pas de madame couvert, non. Il n'empêche pas de prendre Todine, non. Il n'empêche pas de prendre propage Todine, non. Mais c'est de Nazan le parler, c'est ça qui est le problème. C'est ça qui, comment dire, quand la guerre, une perte de stabilité d'un pays, on a dit le Boudjaou Jihad, ça c'est vrai, un petit esprit, et il y a aussi un petit esprit encore, surtout un peu avant, je suis prêt pour déclencher Jihad à cause qui était scout. Je suis prêt pour déclencher Jihad à cause du scout qui gagnait ou bien perdu. Donc, ça c'est mal, un petit esprit. Toutes les affaires, jihad, il n'a pas pour tout ban jahil, jihad, il n'a pas pour ban petit esprit, jihad, il concerne un savant, jihad, il concerne un qui a l'autorité, jihad, il y a quelque chose qui amène du bien pour l'islam, il amène du bien pour les musulmans. Jihad, il n'y a pas une petite chose qui amène 10 ans vers unique, inutilement, alors le dire n'a pas participé dans sa balle dans la petite chose. Donc, un hadith, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dit man hamala alayna silah, falaysa minna, celui qui lève armes contre nous, c'est-à-dire les musulmans, les armes contre les musulmans, lui n'a pas parmi nous. Mais les armes contre les musulmans. Donc, tout ça, c'est la guerre qui est là entre les musulmans, mais les armes contre qui sont là. Mais là, les hommes sont musulmans, mais l'islam n'a pas enseigné ça. L'islam n'a pas enseigné pour les hommes, pour dire aux musulmans, la guerre contre les musulmans. Les bons pépites, ça a été dit, là, il n'a pas peur parmi nous. Et là, même, il nous prenait à takfir. Celui qui libère une poutou est musulman. Les boudjaous n'ont pas musulman, ça. Les boudjaous n'ont pas musulman. Tout le monde qui libère une poutou n'est pas musulman, ça. Alors finalement, ce qu'appelle la guerre entre musulmans, il accompagne beaucoup avec ce qu'il appelle takfir. Et comme vous dites, l'État islamique, ben là, quand je commence, je veux dire, ben sunni, en termes, pas mal chia, mais la guerre contre Bachar al-Assad dans la Syrie, l'État islamique, je déjà sunni, mais la guerre contre Bachar al-Assad, je trouve coincé à ce terme par ici. Mais déjà, je accepté, si pas un Baghdadi comme Khalifa, si tu n'es pas accepté, tu n'es pas un musulman, à ce que tu es. À ce que tu es, mais déjà, tu as un coincé côté Bachar al-Assad, il y a un coincé côté l'État islamique qui fait, parce que ça va avec un takfir. Tu fais takfir, soi-disant, mais si tu n'es pas accepté, soit bien comme ami. Mais là, on n'a pas musulman, d'ailleurs, tout ce pas de clip, c'est comme ça. Il y a une histoire de la terre là, tout ça va être un chef d'État là, c'est pas un taureau. C'est ceux qui sont musulmans, tout café, alors les mêmes qui sont 10 ans, 13 versets, alors ça dit quelque chose là, les croyants ensemble, un et un petit l'autre, quand on a 10 ans, les gens là, ils vont bien faire takfir, quand ils font takfir, ils vont être vers 10 ans. Et en vérité, celui qui veut vivre 10 ans musulman, ça dit Moula, il n'a pas haine, il n'a pas, il ne s'agit pas à l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec ça. Nous comptons très bien.
حديث أسامة قد دون جهاد وبين جهاد وجهاد دون جهاد الكافر اللي بين بطوية اللي بين لاغير et sur papier réel on peut te rappeler hadith un hadith dans le jihad l'infini blesse Oussama ou bien le sahabi et ça quand Oussama est déçu le lit il résiste pour tuer sa djinn la sa kafir la kirija la ilaha illallah la ilaha illallah ok nous nous tout qui était le sa djinn la qui vient de la ilaha illallah. Ton vie est comme une partie dans la guerre contre moi. Ton blesse-moi. Ton me retouille-moi. Quand moi, mon gars, il est déçu, autant que j'ai la rive là, nous tous en place où ça va, qui nous dit. Tu n'es pas tué. Tu n'es pas tué. Tu n'es pas tué. Tu n'es pas tué. Pas capable de lire, ou pas capable de lire, excepté, et là beaucoup de avant fait ta fille, il y a beaucoup de procédures. Il y a beaucoup de choses qui vous apprenez avant de faire ta fille, il y a beaucoup qui sont là. Mais, nous ne pas capable juste tuer, juste à cause, pas d'accepter un tel, ou bien pas d'accord avec un tel, ça c'est une chose qui nous pas capable de faire si d'un. Un capare, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous n'êtes pas d'accord que Oussama inverse du sens à Jimoula. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'accord? Gain droit pour Isala, gain droit pour Lutla, gain droit pour Isala, mais bombe ici, mais bombe là-bas, mais bombe ici. Voilà Oussama, son rôle de Oussalatela, mais bombe à l'éclat ici, à l'éclat là-bas. Après, des fois, ou dire Isha, vite. Oubahan, Nidjia, Jaha Ali ibn Abi Talib, il a Abi Fada'a, il a le Khourouj Ma'am. فقال له أبي إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذت فإن شئت خرجت به معك قالت فتركه مدام لأديسة يجي علي ابن أبي طالب سيبينكم بابا اللي من أبيتني وصوتي عنصام أبيتني سوتي عنصام أبيتني participe dans ce combat contre Mouawiya radiyallahu anhu. Mon papa bin Jali, il y a sa sahabila, Obhan, il dit, mon Khalil et mon camarade, et ton cousin, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il confie à moi, qui quand on a divergence, pas un démon, mais pas un musulman, prend un épée en 10 bois, mais j'ai zette l'épée, prend un épée en du bois. Et alors, sa sahabi a dit, mon fini, prend un épée en du bois. Si tu voulais, vous sortiez ensemble avec toi. Vous sortiez ensemble avec toi. Mais déjà, inutile. Parce que nous, car, tu dis, moi, l'épée, bébé, pour la guerre, lui, la guerre, et du bois. Il y a une chose qui commence. Mais déjà, les conseils, il veut dire, pourquoi vous êtes capable de sortir avec toi. Mon fini, prend une décision pour ne pas sortir. Mon fini, prend une décision pour ne pas sortir. Alors, quand Ali, radiallah, va un peu trop, qui sa sahabi a sorti, les vins, les fins à Ali. Et en vérité, Ali, radiallahu anhu, dans sa guerre, pas finoulé, vers 10 ans, on le connaît très bien, finit la guerre des fitnah, la guerre inutile, quand finit la guerre seulement, Allah Ramoula, la guerre, fin décret. Ça. Alors, sa sahabi là, les calibétrous, musulmans, fait la guerre musulmane, fait la place là. Musulmans, la guerre musulmane, mais j'ai l'infini, vous voyez, zette sur l'épée, pour pas pour tousser l'épée, l'infini, vous voyez, mais j'ai mon bras de 10 bois, mon bras de 3, si tu te dis, la guerre, vous blaguez avec 10 bois. Donc, ça peut montrer nous, un sahaba, radiallahu anhu, comment on trouve. Moussalman, pour la guerre, Moussalman, je finirai à l'écart. Après, tu vois, Al-Mubarak, Al-Mubarak, يعني الحسن أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود فقال أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقال فقاتل حتى قتل أينه؟ قال أبو موسى في الجنة. الحسن جيء كالبيرسون في منكم أبو موسى الأشعري اكتنى ابن مسعود سيلابا اكتنى الصحابي أبو موسى اكتنى ابن مسعود سابيرسون امبوز كيشون
Mais informant concernant une personne, il sortit avec son épée, la poussée par la colère à cause d'Allah. Donc il y a la guerre du dunya, il y a la guerre à cause d'Allah. Il y a la guerre, il ne sortit pas la guerre à cause d'Allah. Il y a la guerre jusqu'à les finales tuées, il y a la guerre. Quand il peut être, il sortit à cause d'Allah, il y a la guerre. Quand il peut être, Abu Moussa radiallahu anhu, il peut être dans la Jannah. Il peut être dans la Jannah, il peut être dans la Jannah. فقال ابن مسعود إنما المفتي مثل صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة. Alors ابن مسعود عبد الله بن مسعود يجي المفتي simplement comme de compagnon. المفتي يكشن على المفتي يكشن الفتوى. أبو موسى. Alors ابن مسعود يجي أبو موسى اللي قال لك ما سأجي ممكن أبي جهاد على سؤال سام. إن أبي جهاد ابن مسعود يجي على سنة ضرب أم على بدعة بيزن كلين إن اللاجئ له سنة وبين اللاجئ له لو بدعة بيزن كلين إن اللاجئ يبصر نقولي أخوز على إن اللاجئ بيزن كلين إن اللاجئ اللاجئ كده بسنة وبين اللاجئ كده بيه اللاجئ بدعة لا لا قال الحسن فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدعة Al-Hassan dit vraiment, effectivement, il y a un savant qui dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas la guerre à l'eau, bid'a. Donc, bon, ça nous comporte qu'il y a un sahaba, radiallahu anhu, je vais prendre compte de cette chose-là, pas juste dire, mais la guerre, bizarre la guerre, non. Mais la guerre, ils ne connaissent pas l'idée de la bien non, par exemple, mais fait à Salat. Ils ne connaissent pas Salat, la Sunna ou bien non, comme ça, quand il fait dire le djihad, ils ne connaissent pas Jihad et la Sunna ou bien non. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن كجهاد أهل البدع والأهواء. ابن تيمية رحمه الله جاء بزاكوني لكل كي جهاد إسلامي كي الله إكسو بروفيت في الهدوني لكل كي جهاد بدعة بجيا بعد طول عقية كي بجيا جهاد سالي بزاين جهاد peut-être il y a une possibilité qui c'est un jihad islamique et il y a aussi une possibilité qui c'est pas jihad islamique c'est jihad de man bidati et surtout dans l'époque qui nous fait vivre il y a plus beaucoup qui dit man qui l'on sunna et man qui l'on bida majorité bida alors que nous dans jihad pour les gens qui nous apprennent ça jihad bidati ça jihad bidati les le fait qui majorité musulmane à ce jour la plupart, il y a beaucoup de musulmans qui l'ont bid'a. Ils ne sont pas les messieurs qui l'ont bid'a, ils disent que le jihad aussi pour bid'a. Alors Ibn Taymiyyah, rahmahullah, j'ai mis à connaître le jihad shar'i, le jihad islamique, ça. Ou bien le jihad bid'a. Et j'apparais que le jihad des mal qui donnent légalement, ça va qui donnent légalement là. Je peux dire le jihad, en vérité, je fais la guerre pour devoir dans l'obéissance, shaitan. C'est pas qui veut dire jihad. Et qui veut jihad, il n'y a pas islamique, c'est pas bidati. C'est pas qui fait la guerre, pas pour Allah, je fais la guerre pour Shaitan. Et je peux croire, je fais la guerre pour plaisir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pareil comme un jihad, c'est pas bidati. Ban qui suit cette passion. Donc, ban bidati, ce jihad, c'est qu'il dit, je peux faire jihad pour le plaisir de Shaitan et l'oubli pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça montre nous. Qui va être savant, il avait un jihad contre sa petite chose qui appelle jihad, un jihad qui n'a pas de satisfaire à une condition. Alors, c'est ça, concernant, il y a une petite explication pour ça, jihad, sinon, il y a beaucoup d'explications jusqu'à ça, et aux sujets-là. Inch'Allah, peut-être, pour nous terminer avec Al-Barbahaari, nous pouvons essayer de passer l'eau-là, un petit peu, ce qui nous prépare un règlement. Concernant jihad, il y a beaucoup de règlements qui sont importants pour prendre en considération. Mais il y a d'autres qui jihad comporte le dîner Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous devons connaître quand pour faire, quand on n'a pas pour faire, quand pour déclencher, quand on n'a pas pour déclencher. Est-ce qu'il lui donne l'avantage par le musulman ou bien il donne des avantages par le musulman?
comment pouvez lire, comment n'a pas pouvez lire. Et elle a une cause jihad, pas en colère, vous dire ok, vous avez un jihad, ou bien une race, une bombe dans vos armées, donc vous avez un jihad parce qu'il y a une race au droit. Donc ça, c'est une chose qui nous vous en rencontre, Inch'Allah, par rapport à cela. Inch'Allah, demain, là, pour vous dire, même, avec le titre, qui fait autant qu'à Allah, comme mon frère, cher, qui nous présente. Sallallahu alayhi wa sallam. على آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك